Bonsoir Lille Maurice, bienvenue aujourd'hui dans ça l'épisode Gloire d'antan. Quand moi m'amène à la rencontre d'un monsieur, un artiste qui fait longtemps, surtout dans les années 90, tu es Tan Kozli avec Tenbes, Sophie Ravan. Et monsieur aujourd'hui, ses rencontres, ses portraits, quand il y a musical, monsieur Laval-Denis. Et justement aujourd'hui, il y a qu'il y a nous d'une base, que nous parle faire avec plus connaissance, fin de immersion dans ce parcours, ce cahier musical. Salut Laval, ça va? Correct. Un plaisir à Laval pour rencontrer aujourd'hui, on a accueilli un mois que tous aujourd'hui. Alors bien sûr, pour nous démarrer à l'épisode-là, à l'émission-là, aide-moi qu'il y a une autre génération, une tante cause Laval-Denis, mais pas qu'on réellement Laval-Denis, ce parcours musical, comment démarrer. Raconte-nous un peu plus longtemps, dans le début, dans le coup de passion, comment dire, pour la musique, démarrer. Qu'est-ce que ça fait venir dans la vie Laval, faire un petit tic, faire envie de rentrer dans la musique. Moi, depuis bien, je me sens bien, je me sens dans la musique, je me sens bien, je Alors, je suis démarré dans un concours Sega Typique même, en 91. Je suis gagné le premier prix. Et il y a 25 groupes qui sont par rapport. Tu fais ça, va quoi? Je me rappelle bien, il y a Jody Josiri, Micheline Boda, avec Gorson Brilli Brilli. D'accord. Bon, c'est 24 groupes là, je suis gagné le premier. Et qui m'a aussi ça? Ça, c'est gars là, tout le temps, je suis gagné. Je m'en fais une balle de battement. Et au cas où un peu sinon, mais Moussela qui t'y racontait? Moussela racontait, il m'a dit, si toi je suis content de la musique, je vais battre mon sourire, je vais battre mon sourire. Et
Mais Laval, si nous retournons encore plus loin, encore plus en arrière, quand tu disais, qui t'y a l'influence musicale Lavanini? Laval, qui t'y peut écouter, qui va artiste, qui t'y peut écouter, qui va santé, qui t'y peut santé? Laval dit que le temps content, c'est gardien du jour. D'accord. Après, il m'a dit que tu peux faire bon. Un petit peu occidental, si. Oui, tout. Moi, je suis content, tout quand il y a la musique. Dans la musique, on ne peut pas tout, non, il m'a dit pas bon. N'importe qui est artiste, qui est de Bollywood, n'importe qui qualité de la musique. Sinon, je suis content d'écouter parce que je suis content de la musique. Et qui s'en a qui met un Ravan dans la main, Laval Denis? Qui s'en a qui apprend les Ravan, fait les gars, Google et l'envie pour apprendre tout l'univers Sega typique? Mon grand-père, s'appelle Antoine Louise. Et tu comptes sur Ravan. Mais là, moi, je prends ça, il aime. Et trois quand je suis en réfère, je prends ça, je suis en réfère, je me donne mon couleur. D'accord. C'est bon, c'est gars pour lui. D'accord. C'est gars pour lui. Tout le temps, ça donne la tête, c'est gars pour. C'est gars pour Antoine Louise. Et sinon, vous rappelez qui premier morceau où tu écris à Laval? Nikita, j'ai une question. C'est moi, je t'en ai fait pourquoi? Moi, pas connu. Moi. Ouais. Vous pas écrire ces gars, moi. Vous sortez ces gars. Elle nous a fait qu'avant dans la tête, c'est ce que vous faites. Mon premier morceau, problème familial. Justement, problème familial, où tu prends ce morceau-là, pour le type d'antenne baisse, ou premier concours MBC, toujours dans l'année 90. Problème familial qui causait ça, moi, cela qui t'y racontait et qui s'en a, qui a fait, qui pousse ou pas type dans sa compétition là, Tenbes. Ça, moi, cela racontait une belle histoire, ça nous a dit bien content. Algue Tenzen fit plus content. Maman, papa, peine content. Ben vient le problème. Ben aime tous les enfants suicidés. Un diama aussi qui ou une fin de projet musical avec Claudio Castellani. D'ailleurs, c'était une première aventure rentrant en studio. Qui bon souvenir vous gardez de ça? Ah, je me garde un bon souvenir parce que si je travaille avec un grand artiste, c'est pour moi un grand artiste. C'est un plus professionnel comme je m'en prends. Ouais. Aide-moi beaucoup. Amène-moi ce cas-là. Je me remercie beaucoup même dans ton côté. Et bon Dieu, dans le royaume. Après, je respecte une grande santé encore Joe Didio. Une cite plusieurs fois de faire feu Joe Didio comme un artiste qui est bien content, qui n'inspire où. Et qui fait, est-ce qu'il y a un morceau qui est plus content pour Joe Didio? Ouais, on va à la boutique Paul. On va à la boutique Paul là-bas. Ouais. Qui fait ça, mon soleil? Bien, c'est gars typique ça. Et là, si nous retournons un peu en arrière, vous avez premier prix avec maman, film bat battement. Premier prix, vous avez par quoi? Oui. Qui bon souvenir vous gardez de ça? Mon souvenir, c'est que je suis content, c'est que je me gardez, c'est que je me plaisir, déjà. Tout le temps, ça pourrait être dans le cœur. Ça a quand même 10 000 mois là-bas. Puis à vous sortir. Vous avez réussi à faire maman, film bat battement. Vous avez un podium, vous avez un maman, film bat battement. Bisagete, tout
se gala pou m'arrete. Ta se gazo di, si zo di mou pa pou domi. Me bat sa raval la, mwa santi. Mwa pa met tout di moun dan la zwa. Laval Denis, il y a un auteur, compositeur, interprète, il écrit beaucoup de morceaux, il écrit pour lui-même. Quand Laval puis se source d'inspiration pour écrire ce bon morceau, qu'il a fait, qui fait Laval prend envie d'écrire, envie de composer, envie de créer. Enfin, moi, j'ai des affaires qui passent. Moi, j'ai trouvé des affaires qui peuvent passer là. Mais moi, j'ai une petite chose, moi, j'ai un lien là-dedans. Je travaille comme ça, moi. Et Laval, ou pas si c'est écrit pour vous? Ou aussi écrit pour les autres. D'ailleurs, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, ou dis-moi ça aux caméras. Ou celui, ça du monde qui retrouve lui derrière mon morceau Mimose Ravaton, Mimose Denis, d'ailleurs, sa morceau fort de Mimose, La Tasse Difficile, nous connaît Final Sophie Ravan. Ou tu écris ça, morceau là, qui fait où tu écris ça, côté l'aspiration, tu viens. C'est une fête belle. Allô, bizarre, à l'endroit de faire ça, fête là. Bien, c'est une fête difficile. Pour réunir tout ce monde qui vient dans la ville de Bélé, dans la cité Bélé. Pas si facile. Mais là, moi, je fais une très difficile. De votre propre répertoire, est-ce qu'il y a un morceau qui vous plaît contre la santé? Qui fait? Qui a un feeling particulier qui traverse à chaque fois? Moi, je fais mal de battre, moi. Toujours ce morceau-là. Oui. Qui fait ça, hein? Mais on compte en lui parce qu'il avait, il a beaucoup de courage, beaucoup de mains. Laval, le fond partie aussi, un artiste mauricien qui choisit. Pour des fans, c'est gars typique, God, sa culture traditionnelle mauricien, c'est gars typique, Zoué, c'est gars typique. Qui fait ça, hein? Non, mais on fait l'autre style de la musique. Enfin, c'est moi typique là que je m'en dis, je plus comment je comprends, je m'en dis, plus facile pour moi. Mais dans l'association, pratiquons ces gars typiques. Je m'en dis, ça couleur là. Une jolie couleur. C'est tout qu'un ravane qui batte. N'importe quel autiste, je m'en dis, m'en senti sauti l'Afrique, mama ho, oh. M'en senti sauti l'Afrique. Vendée, bateau là y a des boxe cargaison, dans des tremblements libres pour retourner. Bateau là y a des boxe cargaison, ici des banques et comas animaux. Bateau là y a des boxe cargaison. M'en senti sauti l'Afrique, bel bateau. Mon qu'on a beaucoup qui t'y souffert. Quand sa bateau là l'y rentrait, avec un cargo sauti l'Afrique. M'en senti sauti l'Afrique. Bel
De tout parcours, la Val-Denis, on a l'occasion de faire beaucoup de festivals que tout produit. Vous avez Sega, vous avez Sega typique, Sega tambour, Mauricien. Qui vous souvenez au Gordi? Mon souvenir que mon Gordi, moi bien fait longtemps. Moi, il y a premier prix, second, troisième dans Sega typique. Zis avec Sega typique. Zis avec Sega typique. Premier prix, moi gagne à quoi? 91. Deuxième prix, moi gagne, les 18, les 28, cinquième mois, 93. Troisième prix, moi gagne, les 4, troisième mois, 73. Zodi, vous pensez que c'est un sentiment fierté qui habite Laval parce qu'il y a des enfants, des petits-enfants qui rentrent dans la musique. Je peux dire qu'il y a dans la famille transmission culturelle musicale, une traversée. Comment vous vivez ça? Mon fils, je dis ça. Je suis un relève. Faux. Moi, je dis merci, Zézi. Je suis un relève. Je ne pas agréer. Et vous avez des enfants aussi écrire pareil que moi? Non, je ne vais pas écrire. Depuis tout, il y a fait Ravane. Il y a fait Ravane. Mon garçon fait Ravane. Lolo. Le van fait Ravane. On a un autre petit enfant qui peut venir appeler Rigana. Je connais la maison grand-mère. Zodi, si je me demande la valeur, conseil pour la jeunesse mauricienne qui peut être nous, hein, qui a envie de faire ses gars, qui a envie de faire ses gars bien, envie d'écrire bien, envie de jouer bien, qui conseille tu peux demander là? Moi, mon conseil, c'est que les artistes, c'est que les faire jouer de kitsu. N'importe qui le sont, parce qu'ils donnent de nouveaux talents. Mais faire bon kitsu, faire ce qui est la valeur, faire ce qui est la goût. Jouer la musique avec l'amour. Sortir qui bon, là, il y a des gens qui peuvent écouter. De plus en plus, le man réseau, nous peut trouver que la jeunesse mauricienne peut retourner vers sa traditionnelle route Sega typique. Là, il y a beaucoup de jeunes groupes Sega typiques qui peuvent lever, qui peuvent créer. Qui aurait gars opposé Lola, qui sentiment habitué, qui feeling Laval? Ça, je suis fier quand je suis content. Je dis bravo. Je dis continuer. Parce qu'il y a une bonne affaire que je peux faire. Est-ce qu'il a mal donné un projet à venir? Il a envie peut-être single, compilation, spectacle, concert, peu importe, album, on ne fait pas connaître. Projet, il a beaucoup posé, mais c'est moi qui producteur nous paye. Beaucoup posé, il a beaucoup d'affaires nous faire. Mais c'est moi qui paye producteur. Qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui écoute moi, qui aide moi. Qui sait peut-être? Avec un MBC, comme vous pensez, c'est pas si vous avez un MBC, moi, je ne sais pas si vous Maurice. C'est pas un MBC, mais qu'on ne sait pas faire. Parce que je suis en train de faire un peu de temps, parce que je suis en train. Et ben, projet peut-être aussi pour Mimose ou bien avec Mimose, peut-être écrire pour lui, peut-être d'autres projets avec Mimose. Moi, je ne sais pas que je suis en train de faire un peu de temps, mais je ne suis pas en train de travailler encore. Parce que je ne suis pas en train de travailler. Ça fatigue parfois, mais je ne suis pas en train de faire. Par cause de la musique, on dit. Je peux laisser ça pour la relève. Ouais. Je pense que 26 enfants, pour trapper sa femme, pour galper pour aller. Et je parle devant, pour pêcher, je parle devant. Laisse les temps faire ce travail, comme on dit. Laisse les temps faire ce travail. Pour les blagues et ta moquette, maman, vous verrez-tu.
merci beaucoup Laval d'accueillir moi Zodi. Nous partageons un joli moment ensemble, un petit merci sur le parcours musical. Merci d'accueillir moi Zodi Laval. Moi qui dis autre merci parce que donne récit une moi là, mon content, mon fier. Je dis merci beaucoup MBC. Continue encore. Montre ma artiste là qui est si content nous content. Merci beaucoup Laval. Merci Zodi. Faites ça l'épisode là. Et oui, fin l'épisode Zodi. Gloire d'antan, continue de faire portrait musical Corrière Laval Denis. En tout cas, m'espérer ça nous fait autre plaisir. À la maison, on retrouve Laval, les autres l'écran. Réapprécie ça, mon petit spaman, bon petit séga d'antan là. En tout cas, c'est sûr, mon bras de bien faux. Quant à nous, nous allons la semaine prochaine pour l'autre épisode de autres Gloire d'antan. Ciao. Maman, papa, ben content, si ça tient un grand problème dans famille. Un grand problème dans famille, si ça tient un grand problème dans famille. Un grand problème dans famille, il a des enfants qui tiennent qui zoutent la case. Des enfants qui tiennent qui zoutent la case. Il a des enfants qui tiennent qui zoutent la case. Des enfants qui tiennent qui zoutent la case. Quand tous les détails finales suicidés, à l'écho pénible. Hypocrite cap écoulé.